Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir Maître Yaël Hadjedj Marouani. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints au studio pour un spécial Israël, comment ça marche? Nous allons parler succession. Alors, tout à fait. Un sujet un peu triste, mais pourtant il faut s'occuper de ses affaires avant de quitter ce monde. Ça évite beaucoup de problématiques, surtout lorsqu'on vit entre plusieurs pays, entre la France, entre Israël, qu'on a des biens un peu partout. On ne sait pas toujours quelles sont les règles à suivre pour éviter les soucis. Alors j'espère que vous allez nous éclairer. Donc justement, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a des biens dans les deux pays? Quel type de succession vous conseillez à vos clients? Alors, ce qui se passe, déjà, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une succession internationale. C'est quand quelqu'un décède et, par exemple, a des biens dans un autre pays que celui dans lequel il vivait. Ou lorsque les héritiers habitent dans un pays différent de celui du défunt. À ce moment-là, c'est un cas complexe au niveau juridique puisque ça met en jeu les règles et les lois de différents pays. Donc, c'est effectivement un sujet important qui doit préoccuper principalement les Onim Hadashim. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi qui s'applique, c'est la loi du dernier domicile du défunt pour la répartition de la succession. C'est-à-dire la loi civile qui va déterminer qui sont les héritiers. C'est la loi du dernier pays où résidait effectivement le défunt. D'accord. Et donc, c'est cette loi qui va s'appliquer même aux biens qui sont dans un autre pays. Par exemple, vous êtes les enfants d'un défunt qui est décédé en France, il vivait en France, et vous vivez en Israël, il vous a légué des biens en Israël. Vous devez entamer une action gracieuse au tribunal. Donc, ça ne se passe pas comme en France. On ne va pas chez un notaire qui détermine, lui, la succession. Ça se passe au tribunal par l'intermédiaire d'un avocat. Et donc là, vous allez demander au tribunal israélien de déterminer qui sont les héritiers en Israël. Et le juge israélien, comme le défunt vivait en France, il doit appliquer la loi française en Israël. Sauf si on fait un testament qui dit le contraire. Exactement. Ou plus exactement, oui et non. Ah. Donc, la loi française, effectivement... J'essaie de simplifier, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Dans ce cas-là, pour rester dans le même cas, la loi française s'applique, mais la loi française, évidemment, vous donne la possibilité de faire un testament. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire un testament dans la limite de ce qui est permis par la loi. Il faut quand même dire que quand vous êtes résident français, la loi française vous interdit de déshériter vos enfants. C'est contraire à l'ordre public, c'est la réserve héréditaire. Donc, vous pouvez faire un testament dans la limite de ce que la loi française vous permet de faire. Mais il y a une nouveauté depuis août 2015, c'est le testament international. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul au niveau jurisprudence par rapport à cette nouvelle loi qui date de 2015, mais elle permet à un résident européen, par exemple un résident français, de choisir la loi d'un autre pays pour la répartition de sa succession. Même un pays qui ne serait pas en Europe, par exemple Israël. Donc un résident français peut choisir d'appliquer la loi israélienne en faisant un testament selon les formes du testament international et donc de léguer selon le droit israélien à qui bon lui semble. Donc pour être sûr de vous avoir bien suivi, si par exemple un Olé Khadash a des biens en France, des biens commerciaux, des appartements, etc., et qu'il fait un testament en Israël, il peut se soustraire à la loi française en demandant par écrit, clairement, qu'il veut être soumis à la loi israélienne et donc bénéficier, par exemple, du fait qu'il n'y a plus de réserve testamentaire pour les enfants et déshériter ses enfants. Encore mieux que ça. Là, encore vous mieux. Parlez d'un Olé Khadash. C'est horrible, c'est horrible. Et pourtant, c'est là, la vous réalité. Parlez d'un Olé Khadash, donc il vit en Israël. Donc lui, oui. De toute façon, on ne demande pas l'avis de la loi française. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Mais s'il a des biens en France, est-ce que les biens ne dépendent pas justement de la loi française, les biens qu'il a en France ? Eh bien, maintenant, non. Depuis la réforme de 2015, c'est la loi du dernier domicile du défunt qui va régir l'ensemble de la succession, que les biens soient mobiliers ou immobiliers. Et donc, il pourra demander l'application de la loi israélienne. Je mets quand même un petit bémol, parce que, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça avec les tribunaux français, parce que c'est pas facile de faire accepter la violation de la réserve héréditaire. Donc, c'est quelque chose qui peut être controversé, mais en tout cas,
le testateur peut mettre toutes les chances de son côté, demander l'application de la loi française, évidemment s'il est résident, de la loi israélienne, évidemment s'il est résident israélien, comme vous l'avez dit, mais a fortiori même s'il est résident français, il peut choisir maintenant la loi d'un autre pays. Oui, en fonction de son dernier domicile. Non, même pas. Et de la loi du 2015. Même si son dernier domicile est en France, il peut choisir la loi d'un autre pays, de ce qu'il veut. C'est très nouveau, c'est une réforme, voilà. 2015. Ça marche bien ou ça commence à grincer? Oui, évidemment, ça commence à grincer, mais là, je ne peux pas rentrer dans le détail de la jurisprudence. Ce que je dois vous dire surtout, et que tout le monde écoute bien, parce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, parce que ça fait un petit peu... Il faut bien parler dans le micro comme ça, surtout que c'est important. Ça fait un petit peu mal. On parle uniquement de la loi civile, pas de la loi fiscale. Évidemment, on ne choisit pas la loi fiscale. La fiscalité est toujours là. On choisit la loi civile, c'est-à-dire la façon dont va être réparti le patrimoine au moment du décès. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, c'est passionnant. J'espère qu'en tout cas, ça aura mis, on va dire, des petits signaux d'alarme chez nos amis qui ont peut-être des biens à léguer à leur famille, etc. Une façon de s'organiser, d'être prêt et de faire les choses dans les règles. Ça évite vraiment beaucoup de soucis à ceux qui restent derrière vous. Voilà, c'est vraiment un conseil important. Même si le testament n'est pas obligatoire parfois, c'est bien de faire tout par écrit. Oui, et vous faites bien de préciser que c'est un sujet quand même très pointilleux et très sensible. Bien sûr. Donc, il faut vraiment que chacun obtienne un conseil adapté à son propre cas, puisque nous donnons des conseils très larges, effectivement. Et il ne faut pas que les gens soient induits en erreur, mais vraiment prennent un conseil appliqué à leur propre cas pour justement faire le meilleur choix. Ok, bien merci beaucoup Maître Yael Hadjedj Marouani. On se retrouve pour une autre émission. On parlera de la fiscalité dans les successions. Voilà, merci, à bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Qualita.